l'EBIT a apporté le fond nécessaire, que ce soit en matière de la formation théorique, que ce soit en formation pratique, que ce soit en kit de démarrage une fois que ces jeunes sortent du centre. À la fois relancer les investissements à Madagascar et aussi donner la possibilité aux jeunes d'avoir accès à des métiers, à des qualifications. C'est tout l'enjeu aujourd'hui pour Madagascar.